Nous sommes une entreprise textile de 40 salariés située au centre de la France, au Puy-en-Velay. L'entreprise fut fondée en 1860, 160 ans d'histoire, par Léon Fontani, et nous l'avons repris sous forme d'une SCOP en 2012, suite à une liquidation judiciaire. Fontani est concepteur et fabricant de rubans et dentelles élastiques pour trois secteurs. Donc le secteur médical, c'est un secteur où nous sommes leaders européens. Nous fabriquons des dentelles élastiques que nous enduisons de silicone pour les bas de contention. Depuis des décennies, nous mettons notre savoir-faire au profit de la lingerie en fabriquant des rubans velours et des dentelles élastiques fuseau, véritable patrimoine local. Sur ce domaine, Fontani se veut créateur d'émotions. Pour la mode, nous fabriquons des jarties enduites silicone pour les bas de ville. Pour le secteur de l'industrie, où Fontani s'est diversifié ces dernières années, nous fabriquons des tissus élastiques pour le pneumatique, des gaines pour l'aéronautique et des rubans rigides pour la sûreté. Fontani se veut innovant, à l'écoute de ses clients et les accompagner dans leurs projets. Fontani est une entreprise à taille humaine. Notre grande force est d'être intégrée de façon verticale, c'est-à-dire de maîtriser notre process de production de A à Z, ainsi que toute la traçabilité de nos produits. Fontani dispose de 180 métiers et d'une capacité de production d'environ 10 millions de mètres par an. Il y a différentes étapes dans la production d'un ruban en fonction de sa structure. Nous commençons par l'ourdissage. L'ourdissage consiste à mettre le fil sur des ensouples pour fabriquer le ruban. Ensuite, en fonction de la technique du ruban, nous allons aller soit à l'atelier fuseau, nous disposons de 60 métiers qui font partie du patrimoine vivant de l'entreprise, soit en tissage où nous avons 40 métiers, soit en maille où nous avons deux techniques, la technique crochet ou la technique Rachel. En Rachel, nous avons une force de production par métier de 12 000 à 20 000 mètres semaine. Une fois le ruban fabriqué, nous allons le diriger vers l'ennoblissement. Donc nous avons deux techniques de teinture, la teinture continue ou la teinture plongée. Une fois teint, nous allons enduire le ruban où Fontani a une vraie connaissance du silicone et de la dépose de silicone. Sur ce marché, nous sommes leaders européens, ce qui donne une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Une fois enduit, l'article va être conditionné au service pliage. Au bout de cette chaîne, vous avez un produit fait 100% en France. Et à travers toute cette histoire, vous venez de vivre l'expérience Fontani.